yokio côté pa ya pasteur Ngobo. Pasteur Ngobo za mwana ngai, c'est un grand serviteur de Dieu. Et suite à la volonté, na yoki à chaque imposition de main kuna abenga kayo. Je crois de tout mon cœur, tu es un véritable serviteur de Dieu. Ngai na kosala aussi prise. Pour la qualité et esprit, il y a considération pour vos lingots. Ngai na kosala aussi prise un jour au côté de l'église na ngai. Merci. Ngai na aussi ça. Ngai personnellement na kamwaki. Na lobe te papa, ngai na ko côté ya te nazali le moindre de tous les prédicateurs du monde entier na ko côté. A lobe te ngai ni na ko belio un jour na ko alignon l'église na ngai. Ko considérer ngai mutu pamba oyo na humilité oyo ya na yango. Elekeli na makasi. Merci. Na moni ete merci beaucoup. Merci beaucoup. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. C'est un super. Merci beaucoup. Tozongi pa ya ndeko Mathieu Alenga. Na lobaki tozo courir derrière le temps. Olekisi ba minute ebele, mais il y a problème te. Frère Mathieu, tozongi pa na yo na parcours na yo ti na ndenge pasteur na biso Kofi. Hein? Mm-hmm. Eloko nino yo o bénéficia na yango. Eloko nino yo tikali nango comme souvenir tout en étant fidèle ya Baruti Tabernacle, tout en acceptant le pasteur Baruti comme ton pasteur. Merci beaucoup révérend Jérôme. Nako résumé presque na mukuse oyo nga na bénéficier na makolo ya papa Baruti. Et dans la version biblique, nous sommes tous les temps, 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 Jean chapitre 11, verset 48 à 53, nous sommes tous les temps, Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, et nous sommes tous les citations à Frère Branham, Amour divin, dans paragraphe 4, tiré sur l'ordinateur. Non, Tanga, ceux qui citations au Tangi, parmi Maramo Zoloba. Oui, citation de Tangi, mais la version biblique, nous sommes tous les temps, Ecclésiaste chapitre 7, verset 2, Jean chapitre 11 aux verset 47 ans. Ba peut-être le temps aux opé ça on a zubika comme essayer. Okay. Bande la pesa malembe. Ecclésiaste chapitre 7 mm-hmm. verset 2. OK. Bananda kuna bananza benanda ku botanga ngo. Jean chapitre 11 verset 47 jusqu'à verset 53. Tanga siko citation. Tanga siko citation pour nanto gagner le temps. Amour mm-hmm. divin, prédication du prophète William Arnold Branham, paragraphe 4. Je préfère vous donner un petit bouton de rose maintenant que Dieu est en vie, bien entendu, plutôt que toute une couronne après votre mort. Je résume par cela pour dire que nous devons nous aimer vivants. Lorsque nous sommes en vie, aimons-nous les uns les autres. Je veux dire ceci. Au début, papa, j'ai vraiment baqué dans nos temps, on est quand même un petit peu dans la niance et l'okouana. Et ça, la bloque, bien sûr, que les réseaux sociaux, que nous, les jeunes de Baruti Tabernacle, tout bengani, non. Je parle en tant que l'un des leaders des jeunes de Baruti Tabernacle. On n'a chassé personne. Libanda, na balabala, il y a aussi des colonnes, il y a quartier, au Baya Kapé, on a dans Libanda, non. Nous étions à l'intérieur, dans la quatre églises, tout Sambela. On n'a pas le temps d'être dehors, na balabala, pour tout bengani. Namatanga ya papa Baruti, tout le monde est invité, même les papes, même les cardinaux, même les abbés, même les personnes païennes, ils sont invités de venir na matanga ya pasteur Baruti. Je parle en tant qu'un évangéliste et je sais de quoi je parle. Tout le monde est invité na matanga ya papa Baruti, mais en venant, surtout les anciens, ayons dans notre tête cette notion que même si ka papa Baruti est l'équi Nati dimanche ba batia ki biso likolo ya de konabiso moko Arnold o na kota Suisse passé ba route on peut le considérer comme Arnold héros o ya Suisse o ya kufaki pour que ba mauvaises habitudes mususu esila comme ba route ya kufi na lokola un héros akufi lokola Arnold o ya Suisse akufaki pour na guerre esila bande copie batika li siko to yekola ke soki toza na bon moyi si y a un temps où essayer déjà au salaba bien au lobabolamu au pesa ba cadeau na papa Jérôme il faut que ça l'ango maintenant là papa Jérôme il est encore en vie
Si il y a un temps où le Seigneur lui omema, où le Baba parole, il y a bien la reconnaissance que Albéric interprète, il y a pasteur Carlos, il m'a formé quand j'étais un jeune. Dans le bango temps où Albéric est encore en vie, JP Marouk est encore en vie. Kenaz la bango ba koufa. Kinaï, nabanda ko l'ukosal, ça va veiller mortuaire. Nabanda ko lo Baba parole est belé. On ne refuse pas ça. Il est vrai. Frère Branham a dit que de la même manière, Paul a celle qui témoignage pour Abraham, que Abraham n'a pas douté de l'incrédulité. Tant que mon couf, tout le monde va toujours témoigner à ma lame. C'est vrai. D'ailleurs, pour notre pasteur Baruti, ce n'est pas pour rien qu'il n'a pas tant en aille pour, là aussi c'est une parenthèse, le 23 juin, dimanche le 23 juin, Ndekotou, ou à cause de la Wana, na stade, Tata Raphaël, dimanche le 23 juin, tout le monde, tout le lobby qui te relate, n'a pas fait pembe, pembe. Merci beaucoup. Donc, Pembe Pembe, nous avons le message est mort sans rire, sans tâche, ni rien de semblable. À coup, finalement, mon thème, Pembe, le passé, il y a l'immunité qui va tout, ou va faire la caille, ma bé. Message est le qui est. Même le moutoué a fini la caille pendant 10 ans, l'internet, c'est James Maloubeki. Parce que il y a l'immunité. À coup, finalement, mon thème, il y a l'immunité, il y a l'immunité, il y a l'immunité, il y a l'immunité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste. Libamba. Aux autant à kaka citation, tu as un commentaire parce que na 18h à photo yamba mutunusus. Alors, tanga citation, si malango tu peux mettre fin, yoza mo landako. Hein? Il faut toujours à tous les missions moko spécial ngai na yo. Na même plateau. Alors, tanga seulement citation, si malango to benga deuxième invité. Oui, na kotanga citation na koloba boyi. Aux autant à tous, il faut pour la moko. Ce que vous autant à citation, ce que vous avez lobby, et pour Pessi, maman, mbote, chérie, na yo. Ah, maman, Karine, Libamba, la Pessi, mbote, Pessi, na bala. Tanga citation. Ah, voyez bien, vous déjà. Tanga citation. Il faut lire, moi, je n'ai pas Tanga citation. Ok. Bon, mathématiques, yo na tie un mot de côté, na rien moi mathématiques moko, ya mouke simple. Parce que Beka est mort le 1er juin 2024. Soko jui 1 plus 6, et so pesa biso 7. Boyebi 7 veut dire achèvement. Assiste moussa na ye. Soko jui 2 plus 0 plus 2 plus 4 et plus 8. 8 est l'éternité. Nous croyons que Assisi Moussanaye, il est dans l'éternité. Naotanga, citation, le feu rouge clignotant signe de sa venue. Parce que vous avez été lié à Beka, et signe moi que enlèvement est commis proche. Amen. Faut voyez Bayamou. Enlèvement est commis proche. Amen. Je lis le paragraphe 166. Et je sais qu'un jour, je devais mourir. Branham a dit, un jour je devais mourir. Il savait ça. Beka Baruch aussi savait que Ndenge a quitté Canada, na Montréal, à son été, à Tikibisou. Moi, je voyais que Baruch est tabernacle. Soyez calme. Rendez-vous au ciel. Amen. Je continue. Répétez le titre de la citation. Le titre, merci beaucoup, bien-aimé. Le titre de la citation, c'est le feu rouge clignotant signe de sa venue. Paragraphe Esaïe 166. Branham a lobi. Et je sais qu'un jour je devais mourir. J'espère que Dieu ne laissera jamais Satan me couronner comme un vieil homme grinché et indifférent. Branham a l'indiqué que Satan a couronné. Moutako couronné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois de tout mon cœur, Baroudika Songo, couronne Oya Kozwa. Et vous allez plus élevé que couronne Obisoto Kozwa. Parce que à Sali Moussala, oh, mon ami monde entier. Citation Sili. Et aussi là. Sili, ça peut s'amoter, Mbalamo. Non, Sili, ça. Parce que. Il faut ça, la tranche moko spéciale, Nana. Le mot en a citation, Pessi, maman, mbote, puis tout le kit. Merci beaucoup. Et ma femme, comme une
vieille femme qui n'arrête pas de faire des remarques. Où votre femme, vous voyez, et si où vous comme ça, n'a aussi dit, j'ai pris, Branham me dit, je crois que nous sommes tous allés au bon Dieu, le moment de la prière, qui est notre vie soit couronnée, notre vie soit couronnée des fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la patience, la vérité, la foi, par le Saint-Esprit. Nasuki Sikolobaïte, pasteur Nabiso Barutika Songo, le meilleur pasteur du monde entier, l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, le doyen des anciens, a Teibiso Biloko Misatu, Église. Branham, pasteur Nabiso Teibiso Biloko Misatu, a répété un mot plusieurs fois, dans chaque année. La paix, l'amour, l'unité. Et c'est la biso qui est la Jésus-Christ, et c'est la carte nabiso, bon lingo na Jésus-Christ, et c'est la carte nabiso, paix, unité, ou la tique nabiso, et c'est la carte nabiso. Toi, pasteur associé, ou le basali, basala na kimia, va travailler en synergie jusqu'à ce que. Moka Nzambe et ko salama. Pesa mbote na mama la magnifique. Obligatoire. Pasteur Joseph Kafwa lobina peso pe mbote. Azola na. Azola na. Pasteur Joseph Kafwa mbote na yo. Mbote na pasteur Jean-Pierre Ngobo le dégager d'amour et d'humilité. C'est un papa qui m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime beaucoup. Mbote na pasteur Joseph Deka na Mokali. Mbote na pasteur Gauthier Mafuta. Mbote n'a pas passé associé Nyonso ya biso. Merci et beaucoup, puis, merci beaucoup. Mama. Na merci. Mama Karine Libamba la magnifique. Merci beaucoup. Mote na papa nangai, colonel Libamba mama itebu o azali kolela, passé Baruti a otu nangai programme R Nyonso. Okay. Mote na ye. Merci beaucoup. Mote na bébé nanga Baruti Kasongo. Merci Libamba lolu on azali ko soki na talié, na azali ko kanisa ndoi na zolela butu pe moyi. So ina moni mwa nangai ndoi ya beka. Pe mote na bofe nanga Philippe, pourquoi pas mote na balanza merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci révérend. Pour la 1 minute, c'est Maloba Nanga Yasuka, Isaac Kake, Baruch Tabernacle, les gens calme, vous tous qui nous suivez à travers le monde, Baruch Tabernacle, les gens calme, nos trois pasteurs associés. Bati Kabilanda, l'année à réseaux sociaux. Bisoto Zolanda, Oba pasteur associé, Bazali Koloba. Te balanda, des informations. Oh, et Zoloba, officiellement, la RTV et puis la église Baruch Tabernacle. Baruch Tabernacle. Pour l'information, moi, je suis allé à travers le monde que, na minute oyo le pasteur na biso kutu musendo a teki biso dimanche a lobi ke malgré que batamité mabe dali ko luka luka ko sukumae a lobi en gana ta pesa mbote pesa mbote donc le pasteur Carlos a lobi na biso boza la calme toute la situation est déjà sous contrôle par le Saint-Esprit peut toujours rappeler ba nzambe lo moko bo constater que ndenge bomona na biso ba er moko to le kakabo ko loba frère Branham lobel lo moko que si le diable a luki spirituellement zuyote a goki ko le corps même physiquement donc ce n'est pas pour eux monaco bah elle me suit bicycle tout là la gueule banane sous c'est pas c'est que tout ce qu'on dégage vérité de la parole sans beauté papa une minute c'est l'équipe sans beauté voilà qui n'est les au boss un honorable Albert qui vient au boss un nid n'a dit que pèse un mot papa Albert à d'avoir appelé n'y avait Carlos et on a c'est mon mentor papa Albert qui a fait un mot docteur Kizito Mouninga n'a pas libéré qui est pas à avoir tu peux faire un mot il est là dans le plateau bah merci c'est un docteur confirmé merci beaucoup authentique. Merci beaucoup Toyambaki Libamba Mobalia Mama Libamba la magnifique. Et puis Mathieu Alenga Bazali bana yandaku na oetikali tozo chamwa poste ko senga générique moko parce que deuxième invité tozana sur le terrain ezali
le docteur Kizito Eri, ya temple de l'Amen. Alors, papa Sylvain, moi générique, pasteur Kafwa, que Dieu vous bénisse. Lobi tozana yo a. Dernière fois, mon monde. Nous salons, il faut une salle sur la télé, ça y est. Et c'est le nous savons un jour, nous allons nous revoir dans la félicité. Alléluia. Solo yango yina matoi comme de la blague. Et en dototé, quasi réalité. Pas si nomo te mo, et l'ombe moko akeyo. Na poni batoko pibiye na kanisi bazoko ano se fete moko toka ne sango ya matanga elombe akeye papa Baruto okay oye oye kaka ya malamunde bakendaka ya mabe batikaraka o baba musala na bango bamonisa kabiso basi l'homme qui a servi Dieu avec fidélité et sincérité moto ya bolingo akabolate aina kate Iwana tiki biso mabaki Nalika mora moto te Moto nyoso ako tatola Bola mola bona papa Mama 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 Babanga, you wanna take it biso, I can't kembo. Baby so to tikali, awana matanga, sangwango basye, hey, mama.
nous t'aimons beaucoup, notre papa. Mais tu es parti. Oh, Après ma route, na papa toko kende na lune toi. Mais kasi, c'est belisio zongisa. Mousali na yo, a kende ko perma. Encore une fois de plus, nous sommes revenus sur ces plateaux pour la deuxième partie de notre tranche des hommages à notre pasteur. Alors, dans la deuxième partie, Tozaline a invité Moussoussou, c'est le docteur Kizito Nicolas, qui est aussi l'un des fils de la maison. C'est avec lui, de Tokome Kempe, Kosolola, encore pendant une quarantaine des minutes. Alors, bino ba ndeko nyonso bozali kolanda biso na télévision, na radio, toningi to ebisa bino ete ezali émission ezali ko passer pe en direct na YouTube, na internet. Il suffit seulement okota na YouTube o taper sur Pasteur Baruti Ministry directement oko
au Kolanda émission à partir de YouTube. Alors, sans plus tarder, toko pesambo ten invité na biso de toko kota na moi masolo o tozali na yango. Toza toujours ko récolter ba témoignage, tozali toujours ko continuer ko rendre ba hommage et pa ya mpaka na biso o ya tiki biso depuis le 1er juin. Alors, bonsoir docteur. Bonsoir bien-aimé Jérôme. Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi très richement. Je préfère que vous se présentez encore une fois de plus, parce qu'il y a ceux-là qui nous suivent partout dans le monde, au niveau internet, na radio, na télévision. Qui est le docteur Kizito Eri? Bon, moi c'est le frère Nicolas Kizito Eri. Je suis enseignant de la parole du Seigneur, le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Je suis aussi responsable d'une église située dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Mongafula, dans le quartier Kindele, monastère, non loin de l'université de Kinshasa. Donc voilà, je suis un croyant de la parole de Dieu. Un croyant de la parole de Dieu. Il est pasteur, responsable d'une église au Babengi, temple de l'Amen. Alors, pasteur, tu connais un peu que solo là tout autour, il y a liwa ya pasteur Nabisso, il y a ancien Nabisso. Alors, la première question na ngina yeba, je ne sais pas, quand tu as appris la nouvelle du pasteur Baruti, qu'est-ce que tu avais senti réellement dans ton cœur après avoir appris que le pasteur Baruti est parti? Bon. Personnellement, quand j'ai appris que le pasteur Baruti venait de décéder, c'était le 1er juin 2024, autour de 21h, un ami pasteur, le docteur Jean-Papi Zakola, le phénix de Johannesburg, comme je l'appelle affectueusement, c'est lui qui m'a téléphoné pour me demander si la nouvelle qu'il venait d'entendre était authentique. Ok. Je lui ai posé la question de savoir si, à quelle nouvelle il était en train de faire allusion. Il m'a dit qu'il se pourrait que le pasteur Baruti soit décédé d'après ce qu'il avait entendu dire. Mm-hmm. J'avais eu l'impression de voir le temps s'arrêter à la seconde. Ah bon? Oui, donc j'avais eu la sensation que le temps venait de s'arrêter. Pendant quelques minutes, j'ai pensé à beaucoup de choses à la fois. En moins de 2 minutes, il m'est passé en revue beaucoup d'événements liés au plan de la rédemption, en fait. Okay. Vous comprenez? J'avais probablement un regard beaucoup plus prophétique, lié au plan du salut. Lorsque j'ai entendu cette nouvelle venant du docteur Phoenix, Jean-Papi Zakola, et c'est comme ça que je vais appeler ma mère, que je salue en passant, pour vérifier si la nouvelle était vraie. Elle n'avait aucune précision là-dessus, elle venait aussi de l'apprendre de moi. J'ai tenté d'appeler mon petit frère, le cadet, qui vit au Canada. Son numéro ne passait pas. C'est dans les minutes qui ont suivi que j'ai constaté que l'information était en train d'être diffusée déjà. Okay. Sur qu'il est dans les, et en train dans de les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Alors, j'ai dit à mon épouse que le père Jacob vient de partir. Alors, j'ai pensé directement à ce que nous lisons dans Genèse chapitre 49. J'ai pensé à ce que le prophète Branham dit dans la brochure « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» le paragraphe 80. J'ai pensé à ce qui m'était monté à l'esprit à la veille de la mort de frère Billy Paul. Parce que le 5 septembre 2023,
j'ai beaucoup réfléchi sur l'histoire du message de Frère Branham en République démocratique du Congo. Nous sommes au mois de septembre 2023. Mm-hmm. Il y avait un fardeau sur mon cœur sur les parcours du message de Frère Branham en République démocratique du Congo. Mm-hmm. Et c'est comme ça que, à cette date-là, du 5 septembre 2023, j'avais annoncé sur ma page Facebook que j'ai pensé développer un certain nombre de choses en rapport avec le parcours de tout le grand esprit. Papa Sylvain, il y a une photo là, si vous pouvez le mettre. Et ça n'a écrit, il y a Facebook, si vous en avez. Oh, mais qu'un peu projeté pendant que le docteur est en train de parler. Oui, donc, vous pouvez à cette date-là, j'avais annoncé que j'avais l'intention de parler sur le parcours de tous les grands qui ont marqué l'histoire du message de Frère Branham dans l'intervalle entre 1973. Ah, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Uh-huh. 1973 et 2023. Uh-huh. Pour la simple raison que l'année 2023, uh-huh, j'ai l'entrevoyé sur le plan prophétique, mm-hmm, comme étant une année qui nous introduisait dans une phase assez particulière, mm-hmm, dans l'histoire du salut. Okay. Vous comprenez? Mm-hmm. Quand vous voyez ces documents-là, celui-là était, je crois, publié le 20 septembre. Il y a un autre document, mm-hmm, qui était publié le 5 septembre. Vous allez voir que là, j'ai écrit l'année 2023. Mm-hmm. 2023 dans la prophétie année de l'introduction, l'année d'une grande expectative. Voilà. L'église de la République démocratique du Congo devant son Kadesh Barnea. Voilà. À ne pas rater. C'était en 2023. Vous allez voir que, mm-hmm, j'avais balancé la photo de Ewald Frank, la photo, mm-hmm, de Billy Paul, la photo du pasteur Léonard Baruti Kasongo, la photo, mmh, du pasteur Jean-Baptiste Kitoka, mmh, qui vit actuellement en France, la photo du pasteur Dioka et la photo de plusieurs grands leaders, en fait de tous les grands leaders qui ont marqué l'histoire, du message de Frère Branham en République démocratique du Congo dans l'intervalle fermé de 1973 à 2023. Je venais de dire que pour la simple raison que l'année 2023 marqué le 50e anniversaire ou le cinquantenaire de l'histoire de la présence du message de Frère Branham en République démocratique du Congo. Et j'ai tiré ça d'un livre que j'avais acheté le jour de la célébration du 75e anniversaire du pasteur Léonard, anniversaire du pasteur Léonard Baruti Kasongo. Je crois que c'était un livre qui était écrit par le frère Gauthier Mafuta et d'autres personnes, l'histoire du message. Et okay, un autre livre qui avait été écrit par, je crois, le frère Papi Loussa, chose comme ça. Donc, j'avais acheté les deux livres le jour de l'anniversaire et j'ai lu ces deux livres du début à la fin. Et j'ai tiré des évidences contenues dans ces livres que l'année 1973 était une année déterminante pour l'histoire du message de Frère Branham en République démocratique du Congo. Et que 2023 marquait donc la 50e année depuis le début de l'histoire du message de Frère Branham en République démocratique du Congo. Et Frère Branham nous a laissé en héritage des lignes directrices, des principes directeurs dans le domaine de l'étude de la parole ou de l'histoire de la parole ou de l'histoire de la rédemption. Mm-hmm. Le frère Branham dit au paragraphe 20 du premier sceau qu'il faut toujours considérer que les choses vont par 3, mm-hmm, par 7, mm-hmm, par 10, par 12, par 24, les 40 et les 50. Mm-hmm. Il dit que Dieu dirige ce message. Il dit Dieu dirige ce message avec les nombres là. Mm-hmm. Et si vous voyez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres, mm-hmm, c'est-à-dire le 3, le 7, le 10, le 12, mm-hmm, le 24, le 40 et le 50, okay, faites bien attention parce que la chose suivante ne sera pas juste, mm-hmm, et vous devez ramener le tout à votre point de départ. Mm-hmm. Et dans le 7e saut, il dit que si vous croyez que le chiffre, si vous ne croyez pas aux mathématiques de Dieu, mm-hmm,
vous allez vous perdre dans la révélation de la parole. 7e psaume, paragraphe 87. Voilà, et dans la brochure Jéhovah Jiré, il dit que je sais que vous allez mal me comprendre, mais si vous ne connaissez pas, si vous ne croyez pas aux mathématiques de Dieu, c'est que vous ne connaissez pas votre Bible. Donc, au paragraphe 147. Okay. Et donc, l'année 2023, pour moi, mais caresser l'âme dans le sens prophétique. Je voulais un peu qu'on revienne en arrière. À quoi faites-vous allusion sur l'année 1973? L'année 1973 marquait les débuts d'une nouvelle génération du réveil qui a été déclenché par le frère Branham. Parce que le réveil des frères Branham a des repères historiques, des repères datales, des repères des dates, vous comprenez? Et le réveil qui a été déclenché par le frère Branham part d'un événement qui s'est produit le 11 juin 1933 à 14h, dans l'après-midi, lorsque le frère Branham baptisait la 17e personne, voyez-vous? Au bord de la rivière Ohio, où j'ai eu l'avantage d'arriver il y a quelques jours ou quelques semaines. À cette occasion, le frère Branham baptisant cette 17e personne, quand il sortait de l'eau, le ciel de Rhin, il nous voyait sortir du ciel et a dit à frère Branham, comme j'avais envoyé Jean-Baptiste, pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message, lequel message sera le précurseur de ma seconde venue. Et frère Branham dit, c'est de ce réveil-là déclenché le 11 juin 1933, que sont issus tous les grands évangélistes du monde entier. Il est dit dans Graham. Tous les grands évangélistes du monde entier sont issus de du réveil qui a été déclenché par le frère Branham le 11 juin 1933. Et c'est une année qui a coïncidé avec beaucoup d'autres événements historique, non seulement sur le plan religieux, mais sur le plan politique. On ne va pas y entrer là-dedans parce qu'il y a trop de choses à dire là-dedans. Mais notez que l'année 1933 est une année assez importante dans l'histoire du message du prophète Branham ou dans l'histoire du réveil qui a été déclenché par les frères Branham. Et donc, quand vous partez de 1933 jusqu'en 1973, ça fait 50. Ça fait 40 ans. Ok. Voilà. De 1933 jusqu'en 1973, ça fait 40 ans. Et le frère Branham, il dit que 40 ans, c'est le nombre de Dieu en rapport avec la génération. La notion de génération repose sur le nombre 40. La notion de jugement repose aussi sur le nombre 40. La notion de la tentation repose aussi sur le nombre 40, voyez-vous? De sorte qu'entre 1933 et 1973, c'était la durée qui avait été impartie par Dieu à une génération, précisément la génération qui avait été avec le frère Branham dans la chair, voyez-vous? Et à partir de 73, il y a des jeunes gens qui étaient dans les églises Nzambe Malamu, dans les églises protestantes, dans les églises Fepako, parmi lesquelles il y avait le pasteur Léonard Baruti Kasongo. Et c'est précisément pendant cette période-là, entre 72 et 73, que ces jeunes gens de Nzambe Malamu ont rencontré les brochures de frère Branham et qui a décidé de leur conversion et de leur nouveau parcours dans le Seigneur. De sorte que la conversion de notre pasteur Léonard Baruti Kasongo en 1973 relevait justement du plan du plan de la rédemption, du plan décidé par le Seigneur depuis avant la fondation du monde. Et donc depuis 73 jusqu'en 2023, ça faisait exactement 50 ans. Le frère Branham dit que le nombre 50, c'est le nombre du jubilé, c'est le nombre lié à beaucoup de choses en rapport avec l'histoire de la rédemption. Et donc, pour moi, j'étais en train d'entrevoir que l'année 2023 est une année qui va nous introduire dans une expectative et que l'église de la RDC sera placée devant son Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, c'est l'espace frontalier qui séparait le désert du territoire de Canaan. Et c'est précisément à cet endroit que Dieu avait rappelé à lui
les personnes qui étaient de l'ancienne génération pour permettre à ce que ceux issus de la nouvelle génération puissent effectuer leur entrée dans les territoires de Canaan. Merci beaucoup, docteur Kizito. Avant d'aller plus loin, nous voulons quand même poser quelques questions et puis nous allons revenir sur, après avoir entendu la mort du pasteur Barou, tu as pensé à beaucoup des événements. Mais nous avons aussi la Genèse 49. Genèse 49, c'est très très important pour nous. Mais avant cela, vous avez, quand est-ce que vous êtes venu au message et quand est-ce que vous avez connu le pasteur Barout? Bon, moi j'ai cru le message de Frère Branham, j'avais 17 ans, en 1998. Il s'agit d'un frère qui doit habiter encore à Kindele. Hein? Ouais. Il s'appelle le frère Jean-Marie Mbaï, qui était un ancien témoin de Jéhovah, devenu croyant du message. C'est lui qui m'avait prêché le message des frères Branham en 1997, entre 97 et 98. Et il m'a un jour invité à l'église, dans l'assemblée chrétienne de Réguigny. Et il est venu me chercher un matin à 4h30 pour que nous puissions aller à l'église. Et nous avons quitté la maison à 5h. Et donc j'ai cru le message des frères Branham en quittant de l'église catholique dans le message et précisément dans l'assemblée chrétienne de Réguigny. Ok. Donc, et évidemment, j'ai rencontré, j'ai trouvé que dans l'Assemblée chrétienne de Réguigny, il y avait un pasteur voilà. qui s'appelait Léonard Barouti Kasongo, mais que je n'avais jamais approché, vous comprenez. Je me contentais à venir l'écouter à l'église, parce que personnellement, moi, je venais à l'église comme si je venais à l'école. Hein. Donc, je venais avec mes cahiers, mes documents, je venais, j'étais là comme un étudiant, je venais, je suivais mon cours. J'écoutais la parole comme un étudiant et je rentrais à la maison, j'étudiais ce qu'on venait d'enseigner. Vous savez, à l'époque, le pasteur Barouch avait adopté un système de l'écodim. L'école des dimanches. Il donnait avant les cultes. Oui, avant les cultes, il y avait ce qu'on appelait lever les rideaux. Hein, et il donnait aux jeunes prédicateurs. À l'époque, là, c'était des fils Tongolo, des frères Zakola, je crois des Panzo aussi et tout ça. Ce sont des jeunes gens à l'époque qui prêchaient à l'époque pendant cette séquence de lever les rideaux avant que lui-même ne vienne prêcher la prédication dominicale. Et donc on est resté comme ça, je suis resté en train de suivre la parole et en rentrant chaque fois à la maison, j'ai l'étudié à fond et tout ça. Et comme j'étais un garçon un peu solitaire, je n'avais pas beaucoup d'amis, donc j'avais eu le temps de lire. Là. Je n'avais pour amis que des livres, j'ai passé mon temps à lire les brochures de Frère Branham. J'ai rencontré une première famille dans le message, la famille Sivu, que j'ai connue en croyant le message de Frère Branham. Et c'est cette famille qui m'avait aidé à obtenir beaucoup de brochures pour lire assez régulièrement. Alors vous savez que quand vous lisez la parole, la conséquence c'est que Daniel 12, verset 4, doit s'accomplir, la connaissance augmentera. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. Et c'est vrai, la connaissance avait augmenté. Et je crois que cette connaissance m'avait permis une approche de certains hommes de Dieu. Et jusqu'à ce qu'un jour, le pasteur Mali, qui était à l'époque un collaborateur du pasteur Barouti Kasongo, il m'a fait chercher, je crois que je suis allé le voir à son ancien bureau de la Voix de Dieu. Et finalement, c'est le pasteur Mali qui me dira qu'avec ce que tu as, ce que tu détiens comme connaissance, je vais te mettre en contact avec lui. Ça, c'était pasteur. En quelle année? Nous sommes en 2005-2006. Hein. Ok. Alors, c'est le pasteur Mali qui va créer un rendez-vous, un tout premier rendez-vous avec le pasteur entre moi et le pasteur Barouti. Okay. Là, nous sommes en 2006. Donc, des 98 en 2006. En 2006. Là, j'ai 25 ans. Donc, je crois que c'était 7 ans. Ok, 7 ans à peu près. Voilà. Donc là, je rencontre le pasteur Barouti pour la première fois et je lui fais savoir que c'est vrai, depuis un certain temps, il y a une charge liée à la parole. Je ne sais pas si c'est le ministère ou quoi que ce soit. Je lui ai dit ça, il m'a dit non, je crois que c'est le ministère, Dieu t'appelle pour prêcher la parole. Chaque fois qu'on t'appellera pour prêcher la parole, fais un rapport écrit, tu donneras ça au frère Mali et lui me le communiquera. Donc c'est comme ça, et puis je crois qu'il y avait un deuil aussi. Je parle de comment j'ai approché le pasteur Barouti. Hein. Ouais, donc ça c'est la première phase. Cette étape-là. Donc le pasteur Mali était un facilitateur de cette approche-là. Ouais.
Et puis, il y avait un deuil de la famille de Sivu, je crois, une de leurs tantes qui était décédée à l'époque. Mm-hmm. Et puis, vous voyez, la famille Sivu, c'est une famille qui, à l'époque, déjà recevait beaucoup d'hommes de Dieu. Mm-hmm. Les pasteurs Baruti, les pasteurs Dioka et les pasteurs Vibidi, à l'époque, il y a très longtemps, mm-hmm. hein, d'après l'histoire m'est contée. Mm-hmm. Et à ce deuil-là, où une des tantes de la famille Sivu était décédée, mm-hmm. je crois, l'épouse, Maman Afo, notre Maman Afo, Maman Alphosine mm-hmm. Bazenga, était à ce deuil-là. Et pendant ce deuil-là, elle m'a vu. Évidemment, elle me connaissait depuis l'église parce que dans l'église, nous étions des voisins. Ah oui. Nous étions des rangées. Vois, hein. Je vois. Moi, j'étais sur la rangée à sa gauche. Mm-hmm. Et j'étais, je crois, deux bancs ou trois bancs devant elle. Là, c'était à l'Assemblée chrétienne de Rigny. À l'Assemblée chrétienne de Rigny. Donc, on était des voisins. Donc, elle me connaissait comme son voisin de l'église. Ouais, ouais, de l'église. Alors, et vous savez, nous étions des jeunes gens qui aimaient beaucoup la parole. Quand un prédicateur ouais. prêchait, on était heureux d'écouter la parole et tout ça. Mm-hmm. Et à ces deuil-là, elle m'a approché, elle m'a appelé. Mm-hmm. Elle m'a dit, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle le frère Baby Nicolas. Oui, mm-hmm. oui. Mais tu es prédicateur. J'ai dit, non, je ne suis pas prédicateur. Mm-hmm. Il dit, non, tu es prédicateur. Là, c'est maman. Ça, c'est maman Alphonsine Bazenga. Mm-hmm. Elle m'a dit, tu es prédicateur. J'ai dit, non, moi, je ne suis pas prédicateur. Il s'est pourri que j'ai un don de la connaissance de la parole, mais le ministère, je ne l'ai pas. Elle m'a dit, non, tu es prédicateur. Mm-hmm. Alors, il faut que de temps en temps, que tu me voies à l'église... ça me fera du bien. Mm-hmm. À l'église, au temple, à l'église, oui, essaie de me voir de temps en temps. C'est comme ça que chaque dimanche, chaque fois que le culte est terminé, j'ai rencontré maman Afo, maman Alphonsine Mazenga, et c'est comme ça que je me suis approché de l'épouse du pasteur mm-hmm. qui me demandera de temps en temps de passer à la maison. Et puis, c'est à cette occasion que j'aurai pour la première fois le numéro de téléphone de maman Afo. Mm-hmm. Elle m'a dit, il faut passer à la maison pour causer de temps en temps avec les pasteurs et tout ça. Et donc tout est parti comme ça. Je crois que pendant la même période, maman Alphonsine était partie voir le pasteur Mali pour dire, il y a un jeune garçon, un talentueux, il est intelligent, et c'est un peu de l'encadrer pour nous et tout ça. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai approché le pasteur Baruti Kassou. Merci beaucoup. Jusqu'à ce qu'évidemment, en 2011, quand je devais aller dans le Bas-Congo, pour mon premier voyage missionnaire, mm-hmm. je suis allé voir le pasteur Baruti, je lui en ai parlé quand je finissais mes études, parce que mm-hmm. parmi mes voeux que j'avais dit à Dieu, que quand je terminerai mes études à l'université mm-hmm. de Kinshasa, je vais effectuer mon premier voyage missionnaire à l'ouest, voyez-vous, mm-hmm. parce que frère Banam dit qu'il y a quelque chose de particulier à l'ouest. Merci beaucoup. Je suis allé voir le pasteur Baruti qui m'a écrit un ordre de mission pour mon tout premier, en 2011 ah ouais. pour me permettre d'aller prêcher la parole mm-hmm. dans les Bas-Congo, et je suis allé prêcher la parole pendant un mois mm-hmm. dans l'église du pasteur Chiloulou, je crois, à Tchela. Oui, à Tchela. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, docteur Kizito. Waneza parcours naïe depuis Andimaki Message en 1997. 98. Et jusqu'en 2006, nde aye kokutanana pasteur Baruti pour la première fois. Alors, je vous signale que c'est un fils de la maison, oyo abotami sous ministère ya pasteur Baruti. Alors, docteur, nous revenons encore sur la première question que je vous ai posée. Là, vous avez dit que lorsque vous avez appris que le pasteur Baruti était décédé, tu as plus beaucoup pensé à Genèse 49, à la mort de Jacob. Je ne sais pas, essaie un peu de nous expliquer cela et puis nous allons essayer d'avancer un peu pour vous poser d'autres questions. Oui, parce que je crois que ceux qui me connaissent et ceux qui ont déjà eu le temps de m'écouter parler, je crois, à la télévision et à plusieurs occasions, dans mes enseignements, à l'église et un peu partout, mm-hmm. J'ai une doctrine hein, construite sur les Saintes Écritures, mm-hmm. une compréhension de la parole selon laquelle le pasteur Baruti et ses contemporains, mm-hmm. je les ai toujours comparés à la génération Jacob. Mm-hmm. Parce que le frère Branham est l'antitype du patriarche Abraham. Mm-hmm. Vous comprenez? Le prophète Abraham était le type parfait du prophète Branham. Mm-hmm. Et frère Branham lui-même le dit. Il dit lui-même que chaque fois quand je dis Abraham, que son nom avait cette lettre, que ça se termine avec H-A-M, mm-hmm. en réalité, je voulais parler de Branham. Mm-hmm.
Alors, partant de cette évidence-là, la Bible nous renseigne que Abraham engendra Isaac. Mm-hmm. Vous comprenez, frère Jérôme? Oui, je et vous suis. Isaac engendra Jacob. Mm-hmm. Et Jacob engendra Joseph et ses frères. Cela voudrait dire quoi concrètement? D'après la Bible, même dans Matthieu chapitre 1er, vous allez trouver ça, que après Abraham, la première génération de la descendance d'Abraham, je crois que nous avons eu une émission avec vous ici un mois avant le décès du patriarche, mm-hmm. on a parlé sur la descendance spirituelle de William Branham, mm-hmm. et donc Isaac était la première génération de la descendance d'Abraham. Mm-hmm. Voyez-vous, et cette première génération de la descendance d'Abraham est le type parfait de la première génération de la descendance spirituelle du frère Branham. Parce que Branham est l'antitype du patriarche Abraham. Je ne vois pas comment le démontrer autrement, voyez-vous. Et donc, Isaac, la première génération de la descendance d'Abraham, après Isaac, c'était Jacob. Jacob était la deuxième génération de la descendance d'Abraham. Voyez-vous. Et cette deuxième génération de la descendance d'Abraham est justement le type de la deuxième génération de la descendance spirituelle de William Branham. Vous savez que le frère Branham dit que la seule manière de ne pas se tromper dans l'étude de la parole, c'est d'enseigner la parole avec le type. Okay. Dans l'exposé des sept âges de l'Église, au paragraphe, à la page 63, il dit que c'est la clé de voûte même de la révélation. Parce que quand vous maîtrisez les types, quand vous maîtrisez la loi de la typologie, ça peut faire de vous un prophète. C'est-à-dire que vous pouvez prédire l'avenir, vous pouvez annoncer les choses qui doivent arriver. Au paragraphe 132 de la brochure, le troisième sceau, Branham dit, si vous voulez savoir ce qui va arriver, regardez à ce qui a été. Et donc, Jacob étant la deuxième génération de la descendance d'Abraham est le type patent, évident, de la deuxième génération de la descendance de William Branham. Mm-hmm. Et dans la réalité typologique aujourd'hui, la première génération de la descendance spirituelle de frère Branham, ce sont les ministres qui ont été engendrés directement de frère Branham quand il était encore sur la terre. Et de cette catégorie de ministres, nous avons des prédicateurs comme de Coleman, de Sotman, de Livard, tous ces prédicateurs dont le nom se trouve dans les brochures de frère Branham. Mm-hmm. Voyez-vous, les enfants spirituels de frère Branham. Et ça, c'est ce que j'appelle la première génération de la descendance spirituelle de frère Branham. Cette génération qui part de 1933 à 1973. Et à partir de 1973, commence une autre génération de la descendance de William Branham. Cette deuxième génération-là, c'est ce que j'appelle la génération Jacob. Et j'ai démontré de façon pertinente à l'émission passée que la génération Jacob, dans la Bible que nous lisons, a été la génération la plus décisive de l'histoire des enfants d'Israël, de l'histoire de la rédemption pour le peuple d'Israël, le peuple d'Abraham. Mm-hmm. La descendance, la génération Jacob, est la génération à partir de laquelle Dieu a accompli ou a commencé à accomplir la promesse qu'il avait donné à Abraham, la promesse selon laquelle je multiplierai ta postérité. C'est à partir de Jacob que la semence d'Abraham a commencé à se multiplier. C'est pourquoi lorsque Dieu s'identifiait à Israël, il disait toujours que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et il s'arrêtait là. Pourquoi? Parce que dans la pensée, dans les mains de Dieu, il n'y a que ces trois personnages de la Bible qui sont des personnages illustres dans l'histoire de la rédemption. C'est-à-dire Abraham lui-même et puis sa première descendance,
ensuite sa deuxième descendance. Et ce même schéma, vous le retrouvez dans la descendance spirituelle de Frère Branham. Vous pouvez me croire, mais rassurez-vous, vous pouvez ne pas me croire, mais rassurez-vous que dans l'historique du message, du réveil du message de Frère Branham, il n'y a que deux générations après le Frère Branham qui sont des générations les plus, la deuxième génération après Frère Branham, qui est la génération la plus décisive dans la multiplication de la sémence spirituelle de Frère Branham. C'est la génération Jacob, la génération du pasteur Léonard Baruti Kassongo, voyez-vous. Donc, lorsque j'apprends le 1er juin 2024 que le pasteur Baruti est décédé, automatiquement, avec le réflexe prophétique disons, dont voilà. Je suis loin depuis mon enfance, passez-moi l'expression, quand j'apprends la nouvelle de la mort du pasteur Baruti, donc automatiquement Genèse 49 me traverse l'esprit. La mort de Jacob, vous savez, Jacob, avant de mourir, Jacob n'a pas été surpris de sa mort. Un homme de la trempe de Jacob ne pouvait pas mourir et ne pas savoir qu'il est mouru. Ça ne peut pas arriver. Et un homme de la trempe du pasteur Baruti Kassongo ne pouvait pas quitter la scène sans savoir que je quitterai bientôt la scène. C'est impossible. D'ailleurs, toutes les vidéos qui sont en train de circuler sont voilà. La preuve patente, évidente, que le patriarche Jacob était bel et bien au courant qu'il était en train de quitter la scène. Parce que, laissez-moi vous dire, en public, officiellement, je l'ai dit en septembre 2023, à l'occasion de mon direct, que 1 Corinthiens chapitre 15, verset 41, nous montre que il y a plusieurs étoiles qui sont dans le ciel. Okay. Vous comprenez, frère Jérôme? Il y a plusieurs étoiles qui sont dans le ciel, qui éclairent la nuit. Ouais. Et les étoiles représentent des messagers. Vous comprenez, d'après la Bible. Ouais. Les étoiles représentent des messagers. Et l'apôtre Paul dit, il est vrai que les étoiles éclairent le ciel la nuit, mais chaque étoile n'a pas le même éclat de lumière que les autres étoiles. Chacune des étoiles n'a pas le même éclat de lumière que les autres étoiles. Vous savez que Frère Branham, c'est un Éphésiens 4. Même si beaucoup de croyants du message ne le comprennent pas. Pour qu'il prêche la parole, il doit être un Éphésiens 4. Il doit être prédicateur pour qu'il prêche la parole. Mais il n'est pas un Éphésiens 4 ordinaire. Comme nous autres. Moi, je ne sais pas où est-ce que toi tu te places. Moi, je dis que ça dit que pour que Frère Branham prêche la parole, il doit d'abord être un Éphésiens 4. Un prédicateur. Il doit être un prédicateur. Voilà. Je crois même le pasteur Baruti l'a dit une fois, plusieurs fois dans ses prédications. Pour qu'il prêche la parole, il doit être un Éphésiens 4. Mais il n'est pas un Éphésiens 4 comme les autres. Voilà. Ça dit, au-delà d'être un Éphésiens 4, il est une étoile que Dieu a mis en relief. Frère Branham, je parle de Frère Branham d'abord. Il est une étoile que Dieu avait mise en relief, en évidence, pour éclairer tout un âge. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais. Alors, après le départ de Frère Branham, il y a des Éphésiens 4 comme ça, qui sont des Éphésiens 4 d'abord, c'est-à-dire des prédicateurs, mais au-delà d'être des Éphésiens 4, ils sont ce que Frère Branham appelle de messagers. Voilà. De messagers des âges contenus dans un âge. Vous comprenez? Alors, le pasteur Baruti Kassongo est de cette race-là. Le pasteur Baruti Kassongo n'est pas un Éphésien 4 ordinaire. Non. Le pasteur Baruti Kassongo. J'assume. Oui, j'assume. Et c'est bibliquement établi. Le pasteur Baruti Kassongo, il y a des gens, il y a des prédicateurs qui sont prédicateurs. Qui sont Éphésiens 4, comme je l'ai dit, et qui remplissent leur ministère comme prédicateurs. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est bien. Mais il y a des Éphésiens 4 qui ont un rôle dispensationnel. Voilà. Il y a des Éphésiens 4
qui ont des rôles dispensationnels. Mmh. Et le pasteur Baruti est de cette race-là, des Éphésiens 4, qui ont joué des rôles dispensationnels. Mmh. C'est pourquoi sa disparition de la scène, écoutez-moi très bien, sa disparition de la scène, d'abord, ça ne pouvait pas être l'objet d'une surprise. Ça, c'est très important de le savoir. Ni pour lui-même, parce que c'est un grand esprit, un esprit de la trempe du pasteur Baruti Kasongo, et son départ de la terre ne pouvait pas le surprendre. Rappelez-vous que le frère Branham, avant de quitter la scène, il avait déjà des signes prémonitoires auxquels il était en train de faire allusion, indiquant clairement qu'il quitterait bientôt la scène, le frère Branham. Au point que, quand vous lisez ses dernières prédications prêchées entre juillet et décembre 1965, vous allez y voir vraiment l'impression que le frère Branham avait sur son départ imminent. D'ailleurs, je vous recommande de lire attentivement la brochure que le frère Branham a prêchée, je crois, le 28 novembre 1965, intitulée sur les ailes d'une colombe blanche comme neige. Cette prédication-là du début jusqu'à la fin. Cette prédication-là du début jusqu'à la fin, le frère Branham est en train de parler de sa mort imminente. Écoutons un peu, docteur. Ouais, papa Sylvain. Merci papa Sylvain, là c'est le frère Jacob. Ça, c'est Genèse 49, verset 29. Ça, c'est Genèse 49, le verset 29. La Bible dit, « Puis Jacob leur donna cet ordre. Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec mes pères au pluriel. » Parce qu'en Israël, il n'y avait pas de grands-pères. La notion de grands-pères n'existait pas. En Israël, on n'avait que des pères. Même le grand-père, on l'appelait père. Alors, Jacob avait donc deux pères. Il avait d'abord Abraham, qui en fait c'est son grand-père, et puis Isaac qui était son père. Vous comprenez? Alors, quand Jacob, il dit ici, « Je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères dans la caverne qui est au champ des fronts, le Hétien. » Vous descendez en bas, on dit, « Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit et il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. » C'est comme ça que moi j'avais fait de cette écriture une adaptation actualisée sur ma page Facebook lorsque j'étais en train d'écrire que puis Baruti leur donna cet ordre, je vais être recueilli auprès de William Branham et de Joseph Kuhlman dans la sixième dimension, dans le paradis, dans le pays de la promesse. C'est le champ que William Branham visita le 8 juin 1960 dans la vision sur Au-delà du rideau du temps. Là où les anges amenèrent Branham et Meda sa femme, là où les anges amenèrent Kuhlman, là où fut amené toutes les saintes femmes, lorsque Baruti eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et il fut recueilli auprès de son peuple. Ça, c'est la version actualisée, l'antitype de Genèse 49, le verset 29. Je suis en train de dire qu'un homme de la trempe du pasteur Baruti, que je compare à Jacob, ne pouvait pas quitter la scène sans qu'il ne pressente cet événement en train de venir. D'abord, ça se concerne d'abord lui-même. Deuxièmement, un homme de la trempe, et ça vous devrez très bien m'écouter, un homme de la trempe du pasteur Baruti Kasongo ne pouvait pas quitter la scène sans que cet événement-là, écoutez-moi bien, n'eût été annoncé dans le ciel. Ça, je vous l'ai dit au nom du Seigneur. Vous savez que le frère Branham nous a enseigné dans cet âge ici que Dieu a écrit trois Bibles. La première Bible est dans le ciel,
les étoiles, les zodiaques. La deuxième Bible, c'est dans la pyramide. Et la troisième Bible, ce sont les parchemins. C'est le papier, le parchemin. Et un événement aussi prophétique, aussi important que le départ de Jacob de la Seine, devrait avoir été indiqué d'abord dans son âme à lui-même, la personne concernée. Les vidéos en sont la preuve. Deuxièmement, le ciel. Tous les astrologues ont annoncé que le mois de juin fera l'objet d'un alignement des planètes. Donc, pendant que nous sommes en train de parler là, depuis le 1er juin, le 2e jour du mois de juin, le 3 juin, le 4 juin, le 5 juin, il y a un alignement des planètes, des 6 planètes dans le ciel. Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, toutes ces planètes-là sont en train de s'aligner depuis le 1er juin 2024. Et cela a été annoncé depuis le 27 mai 2024. Et frère Branham, c'est frère Branham qui enseigne dans le message que Dieu, avant de faire quoi que ce soit sur la terre, il le montre d'abord au ciel. Frère Branham le dit dans la brochure, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Prêché le 16 décembre 1963. Et là, Branham le dit au paragraphe 128. Branham dit, les mages déterminaient le temps à partir des étoiles. Et ils étudiaient, écoutez-moi très bien, les mages étudiaient les événements. Et ils montaient là-haut, ils étudiaient la chute des pouvoirs, la chute des nations, l'effondrement des nations et autres événements et des royaumes. Et ils réfléchissaient là-dessus et ils en parlaient. Écoutez Jérôme. Et ils connaissaient ces étoiles, chacune d'elles, ils les connaissaient comme nous, nous connaissons la Bible. Chaque mouvement que ces étoiles effectuaient signifiait quelque chose. Branham dit, et vous savez, Dieu déclare toujours ses œuvres dans le ciel avant de les accomplir sur la terre d'une manière ou d'une autre, et les ministres le savent. Fin de citation. Merci, docteur Kizito. Malgré que nous courons derrière les temps, je ne sais pas si on peut continuer le vendredi. Est-ce que, selon votre disponibilité, oui. Parce qu'on peut prendre ne fût-ce qu'une heure trente le vendredi. Je vais alors, pour je que vais... les gens puissent réellement comprendre la portée de ces choses qu'il est en train de nous présenter. Alors, mot de la fin, le vendredi, je suis en train de signaler aux gens, le vendredi à 16h30, nous serons là avec le docteur Kizito. Donc, nous allons finir l'émission peut-être à 19h. Donc, on aura plus ou moins 1h40 ou 2h du temps. Donc, de l'émission, les derniers mots, puis nous allons chuter pour céder la place à la prédication. Oui, en attendant que nous puissions nous retrouver le vendredi à 16h30, 17h, tout en rendant hommage à l'âme de notre patriarche, le Père Jacob, je présente mes sincères condoléances officiellement à l'apôtre Carlos Baruti et à toute la famille du pasteur Baruti Kasongo. Je pense à notre maman et à la sœur Rebecca Baruti, à la sœur Ruth Baruti et à notre grande sœur qui vit au Canada. Que Dieu puisse les consoler. Je nous présente les condoléances. D'ailleurs, le mot parle de lui-même. Quand on dit condoléances, ça veut dire que nous compatissons ensemble. Exact. À toute la famille Baruti Tabernacle, la famille spirituelle. Que Dieu puisse consoler nos âmes. Et que la paix puisse régner dans le cœur en attendant les déroulements des obsèques tels qu'envisagés en date du 23 juin 2024. Je crois que, comme je viens de le lire là, cet événement n'est pas un événement ordinaire. Il ne s'agit pas
de la mort d'un homme ordinaire. Et moi, je ne parle pas de la mort d'une personne extraordinaire comme on parlerait de tout grand homme hein, de la terre, un grand homme décédé, un grand homme mort. Non, je suis en train de parler sur des choses divines, des choses sacrées, dans son côté essentiellement prophétique, parce que cet événement doit essentiellement nous amener à réfléchir sur la suite de l'histoire de la rédemption. Voilà pourquoi sur ma page Facebook, je n'ai pas hésité de dire clairement que les lois de la typologie sont au-dessus des lois de la démocratie religieuse. Je crois que c'est le temps pour nous aujourd'hui de réfléchir sur des choses qui se sont déjà déroulées, parce que le roi Salomon a dit « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la reproduction de Genèse 49, verset 29. Ça devait nous amener à réfléchir. Que Dieu bénisse la RTVA, que Dieu bénisse l'église Baruch Tabernacle, que Dieu bénisse la troisième génération du message du temps de la fin. Je pense naturellement à mon épouse, Mariam Kizito Eri. Je pense à toute l'assemblée, le temple de la Maine. Je pense à la famille Shindi, qui venait de connaître aussi un deuil en rapport avec la mort du messager Ewald Frank, qui est décédé quatre jours après, le pasteur Baruch Kassongo. Nous parlerons de ça le vendredi. C'est encore un autre élément de réflexion. Que Dieu puisse consoler toute la famille chrétienne dans le monde entier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, docteur Kizito. Je crois que nous allons nous retrouver le vendredi ici, sur le même plateau. Et demain, nous serons là avec le pasteur Joseph Kafwa Binindjadi des Trompettes Tabernacle. Derrière la caméra, Tozala Kina Trésor Mabanza et na régie finale, Tozala Kina Sylvain Maele et na radio, Tozala Kina La Grâce Tanzei. Alors, pour le reste, que Dieu vous bénisse richement.